L'intègre. J'ai commencé par voir d'abord trois chiens, et puis on a continué à marcher. Et puis 50 mètres plus loin, j'en ai vu trois autres. Alors c'était trois chiens différents, de races différentes. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre en fait, si à ce moment-là précis, je rencontre deux fois la même chose, c'est que peut-être que c'est comme un signal en fait pour entrer en discussion avec la personne. Et rarement, je m'en trompe rarement finalement, parce que c'est souvent là où la rencontre se passe. Et puis mon imaginaire se met en route, parce que je sais pas, c'est peut-être la forme de l'oreille, c'est peut-être la tache sur le pelage, c'est peut-être tout simplement un sourire, quelque chose que je vais capter et qui à un moment donné va nourrir mon imaginaire. En tout cas, va rentrer dans mon imaginaire et dans mon monde, et ça va faire des connexions avec autre chose. Et quand je me mets à peindre, finalement, ça c'est comme si j'avais engrangé des images. Voilà, sans le vouloir, mais ça se passe automatiquement, c'est pas moi qui décide, ça se passe comme ça. Et puis, quelque part, à un moment, ma main, c'est comme si ma main, elle était guidée et qu'elle allait chercher inconsciemment le moment authentique. Tout est vivant, en fait. Pour moi, tout est vivant. Tout a une importance. Et ce qui est important dans la peinture, c'est finalement de ne pas vouloir avoir le dernier mot, c'est de laisser faire les choses. Thank you.
Et poil. Pucelle d'Orléans, tu seras Miss. Entends-tu? La femme au chapeau m'a parlé. Je dois faire les Miss France. Veux-tu bien m'aider? Il faut que je gagne. Il faut que je sois la plus belle pour la nation. Je suis prête. Alors partons. Merci. Merci. Faites un don au Téléthon. Faites un don au Téléthon. Le saviez-vous? Jeanne d'Arc est née en 1412. Elle est une héroïne de l'histoire de la France, chef de guerre et sainte de l'Église catholique, connue depuis l'époque comme Pucelle d'Orléans et depuis le 19e siècle comme mère de la nation française. Sa personnalité mythique a inspiré une multitude d'œuvres littéraires, historiques, musicales, dramatiques et cinématographiques. Merci. Merci. Faites un don au Téléthon. Faites un don au Téléthon.